Moi, je suis à mon poste, au 42, en face d'Akadioba, assis dessus. Je suis à mon poste ici. Mais Goudé vit, ça fait plus de combien d'années aujourd'hui? Plus de 2 ans, 3 ans. Goudé, dès l'entame du traitement, a mangé le sel. Il a pris ce produit, d'ailleurs que nous avons changé le tube, que nous profitons de présenter. Non, mais attention. Dès l'entame du traitement, il a consommé le sel. En 90 jours, Goudé, la tension est stabilisée. Jusqu'à présent, il consomme le sel. Il vit convenablement. Il s'est rendu utile à la nation. Mais les gens ont oublié qu'il y a quelqu'un qui l'a traité pour le guérir. Mais c'est quand même l'hypertension. Quand je disais, il y a quelques années en arrière, mon bien-aimé Zawi du quotidien était là, j'ai fait une conférence de presse que vous pouvez trouver sur YouTube, vous tapez conférence de presse, docteur Diamana, présentation du produit Norma Tension. Mais les 24 heures qui ont suivi, il y a eu une réaction vive du ministère de la Santé à son temps, tenue par Raymond Goudou. Ça m'a valu beaucoup de difficultés. Mais je la guérison de Goudou devait montrer que je n'étais pas dans l'utopie. Comme si on peut réprimer, on doit aussi féliciter. Pour que la balance soit juste. Si on peut réprimer, il faut qu'on félicite et qu'on encourage. Le développement de la nation viendra de là. Mais je n'ai rien eu du gouvernement. Concernant la salle Faux, j'attends. Je pense que c'est un homme très occupé qui a 2 avions. Donc, il est beaucoup occupé par son travail, l'organisation. Mais je sais qu'il m'a fait cette promesse que si Goudé guérit, le groupe Magie Système sera ambassadeur du groupe Diamana. Et chaque fois qu'ils auront un spectacle, en prélude du spectacle, ils rendront ce témoignage, ils lanceront un appel. J'attends que ça s'accomplisse. Mais en attendant que ça s'accomplisse, je sais qu'il est beaucoup occupé. L'année où nous avons traité Goudé, je pense, ça doit être il y a 2 ans, 2 ans, 2 ans plus. 2 ans, c'est suffisant pour une réaction. Mais je pense qu'il est beaucoup occupé. Et certainement que mon service de communication va aller vers lui parce que c'est des gens beaucoup pris pour le lui rappeler. Nous avons besoin de. Aujourd'hui, nous sommes sur un marché pour lancer un emprunt. C'est un genre d'emprunt que nous sommes venus faire. Et vous faites bien de rappeler cela. Et nous disons que Asafo lui seul même peut aider le groupe Diamana. Asafo lui seul. Le message à Asafo. Mais je rappelle à Asafo sa promesse. Je rappelle à ça pour sa promesse à l'égard du groupe Diamana que quand nous sommes eus et au vu de l'état de son poulain, de son collaborateur, du membre de son groupe, je l'ai vu d'abord un leader consciencieux qui voulait vraiment le bien-être de son collaborateur. C'était sa démarche. Et il était étonné de ce que je disais, je prenais l'engagement de Guérou Goudé. Il m'a même dit, il est à Paris où il y a le meilleur plateau technique. Vous prenez la décision qu'il vienne en Côte d'Ivoire? J'ai dit oui. Il dit, est-ce que vous êtes capable de me signer un document attestant que vous avez pris l'engagement et c'est vous qui voulez qu'il vienne en Côte d'Ivoire? J'ai dit, monsieur Asafo, j'ai dit oui. Je n'ai pas besoin de vous signer un document. Croyez-moi, je suis serviteur de Dieu en tant que chercheur. Il va guérir de l'hypertension. Il va guérir de l'insuffisance rénale. À la suite de cette phrase, Asafo me répondit au téléphone pour dire, si Goudé guérit, le groupe Magie Système sera ambassadeur du groupe Diamana. Et en prélude de tout spectacle dans le monde, on rendra témoignage, on citera ce que vous avez fait. Asafo est une voix autorisée, mais pour le moment qui est très occupé. Je le lui rappelle, cette promesse-là va nous faire du bien. Nous sommes nécessiteux. Hein? Nous avons, ça fait 15 ans que nous sommes engagés dans des recherches, hein, sans moyens financiers, dans des conditions très éprouvantes. Et je pense que et Dieu, le Dieu de connaissance, nous a permis de guérir Goudé. Quand ça faut se rappeler cette promesse, que Dieu le bénisse. Avez-vous déjà eu quand même un coup de fil de Goudé? Quand même, le guérir. Oh, est-ce qu'il faut parler de coup de fil? Goudé, aujourd'hui, nous sommes devenus un. Goudé, c'est une reconnaissance. Et je veux dire. Au-delà de la reconnaissance. Au-delà de la reconnaissance, ce jeune homme. Il faut le féliciter. Et je pense qu'au niveau du groupe Maïs System, il n'est pas une voix autorisée. Ça pourrait être le problème. Goudé a longueur de journée au bureau. Goudé a fait une conférence de presse que vous pouvez trouver sur YouTube, sur Google, où il a témoigné publiquement de sa guérison. Et chaque fois que cela est possible, il s'est mis à nos côtés dans ce combat. Mais par rapport au Maïs System, c'est une entité, je veux dire, voilà. Et nous voulons que la voix autorisée prenne le relais maintenant pour dire si Goudé a envie, c'est ce temps qu'il a permis. Il a ça qu'il est capable de faire. Je ne doute pas de sa reconnaissance, de sa disponibilité. Je sais qu'il était beaucoup pris. Beaucoup pris, beaucoup pris. Aujourd'hui, qu'il ouvre les yeux et qu'il se rappelle sa promesse. Que Dieu nous bénisse. Merci. Donc le groupe Diamana appelle à Asafo.
Oui, le groupe Diamana rappelle à Salzbourg sa promesse à son égard, conditionné par la guérison de Boudet. Ça fait aujourd'hui 3 ans sans dialyse, sans transplantation rénale. Boudet a été guéri d'insuffisance rénale, il vit bien. Il a été guéri d'hypertension. Sa tension s'est stabilisée à 12. Aujourd'hui, sans vaciller, il mange le sel, il continue de vivre convenablement. Et il va de tourner en tournant le gros maïs système. Quand ça, pour se rappeler sa promesse. Et que Dieu le bénisse. Amen.